Et yop tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, 1 an après le début de mon aventure 2-0. Donc j'ai dû commencer aux alentours du 10 janvier. Je pense que j'ai commencé aux alentours du 6 en étant non abonné. Et j'ai dû m'abonner là à partir du 10. Donc c'est sur la team principale. J'ai lancé en gros 6 Dolmanax à faire. Et donc du coup, d'ailleurs, je vais lancer le sixième Dolmanax, hop, qui va arriver. Je vais vous montrer pourquoi 6 et pas 4, alors que j'ai fait une team de 4 à la base. C'est qu'en fait, j'avais ce petit compte là, bon, qui me servait pas, mais qui était abonné. Mon frère était censé reprendre, donc vous allez voir, hein, tout simplement, c'est le FK de la deuxième team. Donc, le FK, lui, il a déjà son Dolmanax qui est ici, voilà. Et alors, je ne savais pas, mais si vous le faites sur le même compte, j'avais du coup l'Héliotrope qui a également, qui est sur le compte du FK, qui a aussi son Almanax. Et du coup, là, on va le finir avec le panda. Alors, j'ai volontairement pas accepté la fin de quête. Vous voyez, je pouvais montrer fièrement. Mes pages sur la Yop, parce qu'en fait j'ai eu quelques petits accros, j'étais en décalage de 1 ou 2, je pense que 3 fois sur un perso différent, à chaque fois je n'ai pas validé la quête. Donc voilà le Dolmanax que j'ai obtenu il n'y a pas si longtemps. Voilà, je vais quitter. Donc c'était pour vous montrer les deux Dolmanax sur le même compte. Et puis maintenant, la team de 4 qui justement va obtenir les points de succès. Voilà, je voulais tester un truc sur la IOP. Sur la IOP, j'avais 1546 quêtes de validées. Et je veux juste voir si la quête d'aujourd'hui, qui est une quête que j'ai techniquement déjà faite, est-ce qu'elle a compté. Donc au niveau des quêtes, clac, clac. Et on est à 1545. Donc quand on arrive à la fin de l'almanach, ça ne compte plus. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour avoir 1600. Sachant qu'il me manque. Attends. Sachant qu'il me manque juste Ongles Incarnés, puis après forcément l'archipel de Valonia et juste les quêtes du comment vous appelez ça là, voilà, le prologue, donc 3 quêtes. Donc je sais pas comment je vais arriver à 1600 quêtes. On m'a conseillé justement d'aller me relancer les alignements, mais honnêtement je me sens pas de relancer les alignements. Après, si je l'ai fait sur les 8 persos sur l'autre team, peut-être sur 9 persos du coup. Peut-être que je le ferai, histoire d'avoir les 1600 quêtes. Sinon, j'ai l'impression que j'aurai jamais le succès. Alors, je sais qu'il y a la quête des savants, mais ça veut dire la quête des savants de Frigos, c'est une fois tous les 10 quêtes que tu gagnes une quête. Donc, c'est une fois toutes les 10 semaines. C'est archi long. Sinon, après, il y a les quêtes qu'on peut faire qu'une seule fois par an. Alors, j'ai fait celle de l'Épiphanie, mais c'est vrai que c'est chiant. Ça veut dire qu'il faut que je me connecte pile le jour et que je fasse cette quête et que j'oublie pas. Enfin voilà, donc en tout cas au niveau des points de succès, je sais pas combien ça nous a donné ce petit succès. Ouais, que 30, c'est pas terrible, mais on s'approche des 18 000 sur le panda et sur la Yop, on est à 18 540. J'ai énormément de flemme de faire les donjons, etc. Mais je pense que je vais essayer de reprendre un jour peut-être cette team, je sais pas ce que vous en dites. Pour le moment, je ne sais pas. Voilà, au niveau des points de succès de la team, du coup, on est sur. Donc, si on trie par ici. Hop, on est sur 18 540 sur la Yop. Quasiment 18 000 sur le Panda. Et puis après, on est en retard sur les deux persos de mon co-team parce qu'il n'a pas fait tous les succès du haut. De la tranche 150-190. Donc, je lui laisse lui faire. Hein, puisque, quand même, enfin, qu'il profite du jeu. Mais bon, c'est vrai qu'il est un petit peu décroché. Après, voilà où est-ce qu'on en est. Donc après 1 an, je suis plutôt content d'où j'en suis. C'est vrai que j'ai arrêté cette team, mais il y a très très longtemps au final pour me consacrer à l'autre ou jouer à d'autres jeux. Donc c'est vrai que, enfin voilà, au moins j'ai fini l'Almanax et puis voilà, c'est ça de fait. Puisque c'est chiant parce que tu ne peux pas faire le full succès en moins d'1 an puisque dans tous les cas l'Almanax te bloquera. Voilà. Donc cette vidéo va sûrement s'achever là, sur ces 6 Dolmanax obtenus en 2 jours, quoi, on va dire. J'ai eu les autres sur le panda, enfin sur le FK et sur l'Héliotrope la semaine dernière, je crois. Enfin voilà, sachant que je le continue sur la nouvelle team et j'ai une expérience sociale
qui est de monter un personnage juste avec l'Almanax, voir jusqu'à combien il monte et combien de kama il génère. Donc là, on va être, voilà, il reste une centaine de jours, donc je dirais dans un peu moins de 100 jours, donc dans 2 mois, 2 mois et demi, je vais pouvoir faire une vidéo récapitulative et ça pourrait être sympa à regarder, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine et ciao, bye bye.